cette alliance entre organisations patronales, mandataires et syndicats est sans précédent en Suisse. Cela montre toute l'importance des intérêts définis par la charte. Un jour de travail normal, une centaine d'accidents se produisent en moyenne toutes les heures dans les entreprises assurées par la SUVA. Un jour sur deux, un cas a une issue fatale. Face à ce constat, la SUVA ne peut pas rester sans agir. Avec le programme de prévention Vision 250 vies, elle s'est ainsi fixée pour objectif de diviser par deux le nombre des accidents professionnels mortels et de cas d'invalidité grave entre 2010 et 2020, afin de préserver 250 vies. En signant la charte de la sécurité, vous nous aidez à atteindre cet objectif. En effet, vous vous engagez à vouloir améliorer la sécurité de tous les partenaires participant à un travail et montrer ainsi que la sécurité au travail et la protection de la santé de vos collaborateurs revêtent à vos yeux une grande importance. La vision 250 vies repose sur des règles vitales qui montre les principaux dangers de chaque branche et la nécessité d'appliquer systématiquement le principe stop en cas de danger. Reprenez le travail uniquement après rétablissement des conditions de sécurité requises. La charte de sécurité est une déclaration volontaire. En la signant, les entreprises s'engagent publiquement à mettre en œuvre systématiquement les règles vitales. Les employeurs, les travailleurs et tous les autres partenaires impliqués, en particulier les concepteurs et les responsables du projet, ont le droit d'interrompre les travaux dès qu'une règle vitale n'est pas respectée. La charte légitime chacun à dire stop en cas de danger. La signature de la charte implique le respect systématique des règles vitales applicables à l'entreprise concernée ou de certaines autres règles vitales. Pour la SUVA, c'est une évidence. Le travail ne peut comporter de risque vital. Avec la signature de la charte de la sécurité et l'application systématique des règles vitales, nous pouvons nous rapprocher ensemble de l'objectif visé. Par ailleurs, la charte de la sécurité constitue un autre instrument de prévention qui vous permet de réaliser des économies. Pour chaque franc investi dans la prévention, les entreprises interrogées ont obtenu en retour environ 2,2 francs. Engagez-vous également en faveur de la sécurité de vos collaborateurs. Signez la charte de la sécurité. Vous trouverez toutes les informations sur l'affiliation en ligne.